Saludos familia, buenos días. Salutations famille, bonjour. Qué es bueno tenerlos nuevamente aquí como cada domingo. C'est bon de vous avoir ici comme chaque dimanche. Juntos para compartir la palabra del Señor. Ensemble pour partager la parole du Seigneur. Vamos a orar. Nous allons prier. Para poder dar comienzo. Pour pouvoir commencer. A lo que el Señor hoy nos tiene preparado. À ce que le Seigneur nous a préparé aujourd'hui. Señor, te damos gracias. Seigneur, on te remercie. Te bendecimos. On te bénit. Tu nombre sea exaltado, amado Jesús. Que ton nom soit exalté. Queremos pedirte, Señor. Nous voulons te demander, Seigneur. Que tu Espíritu Santo. Que ton Saint-Esprit. Sea tomando el control. Prenne le contrôle. Total y absoluto, Señor. Total et absolu, Seigneur. De todo lo que hoy digamos. De tout ce que nous allons dire aujourd'hui. De cada versículo. De chaque verset. Para que podamos salir de aquí, Señor, pour qu'on puisse sortir d'ici, transformados, transformés, restaurados, restaurés, edificados, edifiés, y hechos a la imagen y semejanza tuya, Señor. Et fait à ton image. Te damos gracias, amado Señor. On te remercie, Seigneur. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Et au nom de Jésus nous avons prié. Amén. Amen. ¿Sabes, familia? Tu sais, famille? Ya la semana pasada, déjà la semaine dernière, concluimos. Nous avons conclu nuestra sesión de las disciplinas que liberan. Notre session des disciplines qui libèrent. Habíamos visto. Nous avons vu. Como una de las últimas disciplinas. Comme l'une des dernières disciplines. Era sujetarse a su voluntad. C'était de se soumettre à sa volonté. Quiere decir. Ce qui veut dire. Que como lo vimos en esas sesiones. Que comme nous l'avons vu dans ces sessions. Nosotros formamos parte. Nous faisons partie de algo superior, de quelque chose de supérieur, que quiere que nosotros vivamos en eso, qui veut que nous vivons dans ça. O sea, ce qui veut dire quiénes somos, qui nous sommes, de dónde venimos,
d'où nous venons y hacia dónde vamos, et vers où nous allons. Vimos que somos parte del reino de Dios. On a vu qu'on faisait partie du royaume de Dieu. Pero, mais hay una realidad, il y a une réalité que nosotros no podemos ocultar. Qu'on ne peut pas cacher. Vivimos tú y yo. On vit toi et moi. Aquí sobre el planeta Tierra. Ici sur le planète Terre. Y aquí humanamente. Et ici humainement. Hay gobiernos. Il y a des gouvernements. Reinos. Des royaumes. Hay un reinado. Il y a un règne. Cultura. Culture. Leyes. Lois. Que nos quieren imponer una manera de vivir o de ver las cosas. Qui veulent nous imposer une manière ou une façon de vivre ou de voir les choses. Hoy mi esposa y yo en una de esas conversaciones que hemos tenido. Aujourd'hui, mon épouse et moi-même dans une des conversations que nous avons eues. Salió una idea que me gustó bastante para traerla hoy a la palabra. Il y a une idée qui a surgi et qui m'a beaucoup plu et je vais la ramener dans la parole. Y de ahí es donde proviene el título de la prédica de hoy. Et c'est de là d'où provient le titre de la prêche d'aujourd'hui. Los dos reinos. Les deux royaumes. Y saben, por mucho que tú inventes. Et vous savez, même si tu inventes beaucoup. Por mucho que tú aprendas, même si tu apprends beaucoup, estrategias, des stratégies, maneras, des manières, cómo alcanzar la libertad, comment atteindre la liberté, disciplinas que te liberan, des disciplines qui te libèrent, cómo lograr el éxito, comment réussir le succès, todo eso va a depender, tout ça va dépendre, de que tú y yo, de que toi et moi, sepamos en qué reino ubicarnos, on sache dans quel royaume se placer. Y la idea de hoy. Et l'idée d'aujourd'hui, es hacer un comparativo, c'est de faire des comparaisons a grosso modo de estos dos reinos, de ces deux royaumes, para que veamos la diferencia, pour qu'on puisse voir la différence de lo que ocurre en un reino, de ce qui se passe dans un royaume, quiere decir en la tierra, ce qui veut dire sur y terre, de lo que ocurre en el reino de los cielos, et de ce qui se passe dans le royaume des cieux, y cuáles son sus bendiciones, et quelles sont ses bénédictions, y en qué nos afecta o impacta a ti y a mí, et dans quoi ça peut nous affecter et impacter à toi et moi. Saben, aquí en la tierra, vous savez, ici sur terre, si nos vemos en Génesis 10:10, si on va dans Genèse 10:10, dice así, il dit comme ça: il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné, au pays de Shinéa. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Quiere decir, ce qui veut dire que aquí vemos un primer reinado, que ici nous avons un premier royaume, que el pueblo de ese momento, que le peuple de ce moment-là, se unió, s'est uni, y juntos unánimes, et ensemble unanimes, valga la redundancia, valga la repetición, c'est pas grave si on répète, quiso igualarse a Dios, a voulu à s'égaliser à Dieu. Y ellos pensaron que si construían esa torre, ils ont pensé s'ils construisaient cette tour, iban a llegar a Dios. Ils allaient pouvoir atteindre Dieu. Vemos cómo este primer reino se manifiesta. On voit comment ce premier règne se manifeste. Una fuerte ansias de poder. Une très forte envie de pouvoir. Tenían muchos deseos de ser poderosos. Ils avaient de grands désirs d'être puissants. La única manera para llegar al cielo y estar al cielo es porque ellos querían tener el poder de Dios. Et la seule façon d'arriver au ciel et être au ciel, c'est parce que eux ils voulaient avoir le pouvoir de Dieu. Vemos un segundo reino. On voit un deuxième royaume. Que marcó mucho la palabra de Dios. Qui a beaucoup marqué la parole de Dieu. Al pueblo de Israel. Au peuple d'Israël, a nosotros los cristianos, nous les chrétiens, y fue el reinado de Saúl, et a été régné par Saül. Vemos como en Samuel 13:1, on voit comme de Samuel 13:1, dice lo siguiente, il dit comme ça: Saül était âgé de quelques années lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saúl tenía un año, y luego de cumplir los 2 años en el reino, Saül, il avait 1 an et après avoir accompli 2 ans sur le règne, comienza a vivir, il a commencé à vivre circunstancias, des circonstances que lo vimos la semana pasada, que nous l'avons vu la semaine dernière. Como él quiso ser grande, comment lui, il a voulu être grand, como el orgullo se apoderó de él, comment l'orgueil a pris possession de lui, llevándolo a desobedecer, en l'emmenant à désobéir, a hacer cosas que no le correspondían a él hacerlas, à faire des choses que ce n'était pas à lui de les faire, aunque sea un líder del reino de que fue puesto del pueblo de Israel, même si c'était le leader d'un royaume et il a été placé là par le peuple d'Israël, a él no le correspondía hacer lo que hizo,
C'était pas à lui de faire ce qu'il devait faire. Por eso el Señor establece líneas de autoridad. C'est pour ça que le Seigneur établit des lignes d'autorité. Por eso Samuel cuando llegó se lo dijo. C'est pour ça que Samuel quand il est arrivé, il lui a dit. Has actuado desordenadamente. Tu as agi de manière désordonnée. Locamente. Follement. Desobedeciendo. En désobéissant. Y creyéndote lo que tú no deberías haber hecho. Et croyant que ce que tu as fait, tu ne devrais pas l'avoir fait. Sacerdote. Tu devrais, moi, sacerdote. Y fue quitado del reino. Il a été enlevé du règne. Vemos un tercer ejemplo de reino en la tierra. On voit un troisième exemple de règne sur no terre. Vamos a buscar versículos bíblicos. On va pas chercher le verset biblique. Es fácil conocido y conocer dónde conseguirlo en Daniel. C'est très facile de connaître de où le trouver dans Daniel. El reino de Nabucodonosor. Le royaume de Nabucodonosor. Ese hombre quiso levantarse. Cet homme a voulu se lever. Como un dios. Comme un dieu. Él quería imponer su voluntad a toda la humanidad. Il voulait imposer sa volonté à toute l'humanité. Que todos le obedecieran. Que tout le monde l'obéisse. Le siguieran. Le suivent. Y aún más. Et même encore. Que le adorasen como dios. Qu'il l'adore comme un dieu. La historia la conoces. L'histoire, tu la connais. Esos son los reinos. Ça, c'est les royaumes. Pero hay un versículo que este sí quiero que lo busquemos. Mais il y a un verset que ça, oui, j'aimerais que le cherche. En Juan 8:44. Dans Jean 8:44. Si lo buscamos, por favor. Si on le cherche, s'il vous plaît. Dice lo siguiente. Qui dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Dice si vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos cómo todos estos reinos, como todos estos royaumes, prácticamente tienen un solo gobierno. Prácticamente, ils ont un seul royaume. Vemos cómo hay una potestad. On voit comme il y a une puissance que arrebató, qui a enlevé lo que realmente Dios había hecho en los hombres, ce que Dieu avait réellement fait dans les hommes a causa del pecado, à cause du péché y quiso robar, et qu'il a voulu voler el reino que Dios había establecido aquí en la tierra para nosotros, le royaume que Dieu avait établi ici sur terre pour nous. Pero gracias a Dios, mais Dieu merci, vino Jesús. Jésus-Christ est venu a poner las cosas en orden. Pour mettre les choses à sa place. Porque recordemos, parce qu'il faut se rappeler, estamos hablando de los dos reinos. Qu'on parle des deux royaumes. Y ya hemos hablado suficientemente del reino de la tierra. On a beaucoup parlé suffisamment du royaume de la terre. Saben, muchos de nosotros, vous savez, beaucoup d'entre nous, a veces tomamos las decisiones equivocadas. Parfois nous prenons les décisions erronées. Porque no tenemos idea de cuál es nuestra identidad. Car nous n'avons aucune idée sur laquelle est notre identité. Tú y yo nos llamamos cristianos. Toi et moi on s'appelle chrétiens. Y para llamarnos cristianos. Et pour pouvoir nous appeler des chrétiens. Quiere decir que somos seguidores de Cristo. Ça veut dire qu'on suit Christ. Y me gustaría que vayamos a Juan 18:36. Et j'aimerais qu'on aille dans Jean 18:36. Dice así. Qui dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus: si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais Juan, maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. 18:36. Jean 18:36. Mi reino, dice aquí la Biblia, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué te quiero decir con este primer pasaje? Qu'est-ce que j'aimerais te dire avec ce premier passage? Que si realmente tú y yo, que si réellement toi et moi, y vamos a comenzar a ubicarnos un poco, et on va commencer à se placer un peu, somos seguidores de Cristo, on suit Christ. Familia, nuestro reino no es de aquí de la tierra. Famille, notre royaume n'est pas ici de la terre. Nuestro reino no es de aquí
humanamente hablando. Notre royaume n'est pas d'ici, humainement parlant. No es del mundo. N'est pas du monde. Pero tú y yo queremos vivir en el mundo. Mais toi et moi nous voulons vivre dans le monde. Y es normal. Et c'est normal. Porque aquí están las leyes. Parce qu'ici il y a les lois. Aquí está la cultura. Ici il y a les cultures. Aquí está la organización. Ici il y a l'organisation. Aquí están los poderes. Ici il y a les pouvoirs. Que rigen todo. Qui gouverne tout. Y nos quieren llevar hacia una dirección. Et ça veut nous emmener vers une seule direction. Quiero hacer un pequeño paréntesis. J'aimerais faire une petite parenthèse. Quiero traer a memoria. J'aimerais qu'on se rappelle. Muchos de nosotros. Que beaucoup d'entre nous. Los que somos inmigrantes de otros países. Ceux qui sont immigrants d'autres pays. Hemos emigrado de otros países. Nous avons émigré d'autres y pays. Y hemos llegado a Francia. Et nous sommes arrivés ici en France. O cualquier país. Ou dans n'importe quel autre lo pays. Lo primero que tú y yo hacemos. Mais la première chose que toi et moi on fait. Es buscar que ese reino nos acepte. C'est chercher que ce royaume nous accepte. No solamente eso. Pas seulement ça. Comenzamos a buscar desesperadamente que nos den documentos legales. Mais on commence à chercher avec du désespoir qu'on puisse nous donner des documents légaux. No solamente eso. Légaux, mais pas seulement ça. Comenzamos a buscar desesperadamente. Mais on commence à chercher avec du désespoir. Insertarnos en esa sociedad. Pouvoir s'insérer dans cette aprender société, el lenguaje, apprendre la langue, las leyes, les lois, cuáles son los organismos, quelles sont les organisations, en los cuales nosotros podemos ir a acudir para que nos ayuden, dans lesquelles on peut aller chercher pour qu'ils puissent nous aider, y nos volvemos expertos jurídicos. Et on devient des experts juridiques. ¿Cómo conseguir cada uno de los documentos y ayudas necesarias para poder solventar nuestros problemas como emigrantes? Comment chercher et trouver chaque problème nécessaire pour pouvoir survivre autant que migrant? Pero luego de todo eso, mais après tout ça, wow, viene algo que es más poderoso. Wow, il y a quelque chose qui vient qui est encore plus puissant. Luchamos hasta la muerte. On lutte jusqu'à la mort. ¿Verdad, Javier? N'est-ce pas, Javier? Para conseguir un empleo. Pour pouvoir trouver du travail. Y no cualquier empleo. Et pas n'importe sino quel travail. Un CDI. Mais un CDI. Para servir a tiempo completo. Pour travailler, avoir un contrat à temps déterminé. Porque es necesario estar en ese reino. Parce qu'il est nécessaire d'être dans ce royaume. Aceptado. Accepté. Bien documentado. Bien avec des documents. Y produciendo. Et en produisant. Para que luego nuestros hijos, pour qu'après nos enfants, le digamos, on puisse leur dire, váyase a hacerse, va faire, nacionalizado, va faire ta nationalité. Toma la ciudadanía. Prends la nationalité française. Vuélvete francés. Deviens français. Regreso a lo que estamos hablando. Et je reviens à ce qu'on parlait. Y eso es una pregunta que quiero hacerte. Et ça, c'est une question que j'aimerais te poser. A ti y a mí. À toi et à moi. ¿Por qué tú y yo? Pourquoi toi et moi? ¿Por qué tú y yo? Pourquoi toi et moi? Necesitamos. Nous avons besoin. Y hacemos todo el esfuerzo. Et on fait tout l'effort. Y hacemos todo el esfuerzo. Et on fait tout l'effort. Para que tú y yo. Pour que toi et moi. Sirvamos. On serve. Y vivamos. Et on vive. En el país donde venimos. Dans le pays où on vient. Pero cuando nos dicen que nuestro reino no es de aquí, sino es de otro mundo. Mais quand on nous dit que le royaume n'est pas d'ici, mais d'un autre monde. Que nosotros deberíamos identificarnos con el reino que está en los cielos. Qu'on devrait s'identifier avec le royaume qui est dans les cieux. Yo no veo a ninguno de nosotros. Je ne vois aucun d'entre nous. Haciendo todo lo que hace. En train de faire tout ce qu'il fait. No le interesa tener una documentación celestial. Ça ne vous intéresse pas d'avoir des documents célestiels. No le interesa. Ça ne vous intéresse pas. Tener una identidad. Avoir une identité. No le interesa. Ça ne vous intéresse pas. Integrarse en la comunidad celestial. Vous intégrer dans la communauté céleste. No le interesa. Ça ne vous intéresse pas. Tener el mismo lenguaje espiritual. Avoir la même langue spirituelle. Y voy más allá. Et je vais au-delà. No le interesa. Ça ne vous intéresse pas. Servir en la comunidad celestial. Servir dans la communauté céleste. Porque tenemos un problema. Parce que nous avons un souci. Que ayer compartiendo con una dulce señora. Qu'hier en partageant avec une très douce femme. La mamá de Patrick. La maman de Patrick. Me hizo esta reflexión. Elle m'a fait cette réflexion. Lo que pasa que a la gente le gusta vivir en los dos mundos, con un pie allá y un pie acá. Ce qui se passe c'est que aux personnes, elles aiment bien vivre dans les deux mondes, un pied dans l'un et un pied dans l'autre. Y eso entre comillas para el mundo es bueno. Et ça entre guillemets pour le monde c'est bien. Porque dicen que viven centrados. Parce qu'ils disent que tu vis centré. Pero el Señor
no le gustan los centros. Mais le Seigneur n'aime pas les centres. El Señor le gustan los extremos. Le Seigneur aime bien les extrêmes. Blancos o negro. Les blancs ou noirs. Salvación o perdición. Salut ou la perte. Frío o caliente. Froid ou chaud. Eso es mentira. C'est pas vrai ça. De vivir con un pie aquí y un pie allá. De vivre avec un pied d'un côté et l'autre de l'autre. Con esta señora. Et quand j'ai partagé avec cette dame, llegamos a la conclusión, on est arrivé à la conclusion que se le hace cómodo al ser humano vivir así. Que pour l'être humain, c'est confortable de vivre comme ça. Porque cuando estás en el mundo, parce que quand tu es dans le monde, complaces al mundo, tu fais plaisir au monde. Y cuando estás en la iglesia, et quand tu es dans l'église, cuando estás en el reino de Dios, quand tu es dans le royaume de Dieu, complaces a Dios, tu fais plaisir à Dieu. Pero, mais un, con Dios no es así. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Ahora, Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Mais maintenant Jésus-Christ a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Y tú y yo tenemos que orar. Et toi et moi nous devons prier. Y nuestra primera oración que el Señor nos enseñó. Et notre première prière que le Seigneur nous a appris. Fue la del Padre Nuestro. C'était celle de notre Père. Y me gustaría que vayamos a Mateo 6:10. J'aimerais qu'on aille dans Matthieu 6:10. Porque hoy quiero apoyar cada cosa que diga con un versículo. Parce que aujourd'hui, chaque chose que je vais dire, j'aimerais le soutenir avec un verset. Dice así en Mateo 6:10. Il est écrit comme ça dans Matthieu 6:10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quiere decir que ese reino que no es de este mundo. Ce qui veut dire que ce royaume qui n'est pas de ce monde. Ahora en Mateo 6:10 dice. Maintenant, de Matthieu 6:10 dit. Venga tu reino. Que ton règne vienne. Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Venga tu reino. Que ton règne vienne. Quiere decir que tú y yo. Ce qui veut dire que toi et moi. Sabiendo que ya nuestro reino no es de este mundo. En sachant que notre royaume n'est pas de ce monde. Allá arriba en lo espiritual. Là-bas en haut dans le spirituel. En lo celestial. Dans le céleste. En la propia esencia de Dios. De la propre essence de Dieu. Ahora el Señor nos enseña a orar que el reino de Dios venga a la tierra. Maintenant le Seigneur nous apprend à prier que le règne de Dieu vienne sur terre. Hoy no vamos a hacer mucho compartir de estudio. Aujourd'hui on va pas trop partager d'études. Pero si quiero llevarte a reflexionar un poco. Mais j'aimerais bien t'emmener à réfléchir un peu. ¿Cuánto de esa oración es realidad en tu vida? À quel point cette prière est faite réalité dans ta vie. Venga a nosotros tu reino en el trabajo. Que ton règne vienne dans le travail. Venga a nosotros tu reino en mi familia. Que ton règne vienne dans ma famille. Venga a nosotros tu reino en mi país. Que ton règne vienne dans mon pays. Venga a nosotros tu reino en mi ciudad. Que ton règne vienne dans ma ville. Venga a nosotros tu reino en la iglesia. Que ton règne vienne dans l'église. O tú y yo ni siquiera oramos por ese reino. Où toi et moi, on ne prie même pas pour ce royaume. Porque uno de los mandamientos del Señor, parce que l'un des commandements du Seigneur, para que tú y yo oremos por ese reino, pour que toi et moi, on puisse prier pour ce royaume, también se consigue en Mateo 6:33. On peut le trouver également de Matthieu 6:33. Y vamos a detenernos en muchos versículos entre Mateo y Marcos, porque es un libro excelente. Y on va s'arrêter dans beaucoup de versets entre Matthieu et Marc, parce que c'est des chapitres excellents. Dice así Mateo 6:33. Il dit comme ça Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir, ce qui veut dire, que el reino que no es de este mundo, que le royaume qui n'est pas de ce monde, que el reino al cual nosotros debemos orar, que le royaume auquel nous devons prier, nosotros ahorita tenemos que empezar a buscarlo. Maintenant nous devons commencer à le chercher. Y buscarlo significa, et le chercher veut dire, prestar atención, prêter attention, escarbar, fouiller, buscar sus riquezas, chercher ses richesses, ver realmente lo que el Señor tiene para nosotros, voir réellement ce que le Seigneur a pour nous. ¿De qué se trata ese reino? De ça veut dire quoi, ça parle de quoi ce règne? Quiere decir que es importante para Dios, ce qui veut dire que c'est important pour Dieu, que tú y yo busquemos ese reino, que toi et moi on puisse chercher ce royaume, aquí en la tierra, ici sur terre. Pero vemos muchos cristianos lunáticos, mais il y a beaucoup de chrétiens lunatiques, muchos cristianos espaciales, beaucoup de chrétiens dans l'espace. Vivimos en la Vía Láctea, on vit dans la Vía Galáctica, en cualquier constelación, de n'importe quel endroit dans l'atmosphère, cualquier, inclusive
hueco negro que haya en el universo, en el espacio. Dans n'importe quel trou noir qu'il puisse avoir dans l'univers ou dans l'espace. Y buscamos el reino de Dios solamente arriba. Et on cherche le royaume de Dieu seulement en haut. Y buscamos solamente las sensaciones celestiales. Y on cherche seulement les sensations célestes. Cuando el reino de Dios es aquí en la tierra. Quand le royaume de Dieu est ici sur terre. Venga a nosotros tu reino. Que ton règne vienne. Haciéndose tu voluntad. En faisant ta volonté. Y yo tengo que buscar ese reino. Et moi je dois chercher ce règne. Quiere decir que debo hacer su voluntad. Ça veut dire que je dois faire sa volonté. Para que ese reino. Pour que ce règne. Se pueda manifestar aquí en la tierra. Puisse manifester ici sur terre. Solo así volvemos a la semana pasada. C'est seulement comme ça qu'on vient à la semaine dernière. Que la voluntad mía. Que ma volonté. Ya no exista. N'existe plus. Pero pastor, quiere decir que usted quiere que nosotros seamos autómatas. Mais pasteur, ça veut dire que vous voulez qu'on soit automate. Oui. Sí. Es lo que el Señor dice. C'est ce que le Seigneur dit. Ya no vivo yo. Je ne vis plus moi. Es Cristo que vive en mí. Mais c'est Christ qui vit en Ahora, moi. Ahora lo que yo vivo en la carne no lo quiero vivir más así, sino quiero vivir en el Espíritu. Maintenant ce que je vis dans la chair, je ne veux plus le vivre comme ça, mais je veux le vivre dans l'esprit. Quiero vivir bajo su propósito. Je veux vivre sous son propos. Cumpliendo sus mandamientos. En accomplissant tous ses commandements. Y en Mateo 21:31. Et dans Matthieu 21:31. Les dije que íbamos a leer mucho a Mateo. Je vous ai dit qu'on allait beaucoup lire Matthieu. Dice así. Il dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous avanceront dans le royaume de Dieu. Dice así, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta es una historia muy conocida. C'est une histoire très connue. La de los dos hijos. Celle des deux enfants. La de los dos hermanos. Celle des deux frères. Y es la misma historia que ocurre contigo y conmigo. Et c'est la même histoire qui arrive avec toi et avec moi. Cada domingo el Señor nos dice qué debemos de hacer. Chaque dimanche le Seigneur nous dit ce que nous devons faire. Cada vez que abrimos la Biblia el Señor nos habla. À chaque fois qu'on lit la Bible, le Seigneur nous parle. Y siempre le decimos, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Et on dit toujours, oui, Seigneur, je vais le faire. Y nunca lo hacemos. Et on le fait jamais. Y nos volvemos como esos publicanos, como esos fariseos, como esa gente que lo que es hipócrita. Et on devient comme ces publicains, ces pharisiens, ces personnes qui sont des hypocrites. El Señor anhela. Le Seigneur désire. Que si tú realmente. Que si toi réellement. Que si tú no eres de este reino, de este mundo. Que si toi tu n'es pas de ce royaume, de ce monde. Que tú realmente estás orando para que ese reino se establezca en la tierra, la venida de Cristo. Que toi tu pries réellement pour que ce royaume puisse s'établir sur terre, l'arrivée de Christ. Y que tú vivas mientras el Señor llegue como que si estuvieses en el reino de Dios. Et que tu vives jusqu'au moment que le Seigneur vienne comme si tu étais dans le royaume de Dieu. Tienes que buscar eso allá arriba en los cielos. Et tu dois chercher tout ça là-bas en haut dans Pero le no ciel. Pero no solamente buscarlo, sino cumplir la voluntad del Padre. Mais tu dois pas seulement le chercher, mais tu dois également accomplir la volonté du Père. Porque tú no vas a hacer nada allá arriba de lo que tú no hagas aquí abajo. Parce que tu vas rien faire là en haut de ce que tu ne fais pas ici en bas. Tienes que aprender a obedecer a tu Padre. Tu dois apprendre à obéir ton Père. A tu Dios. À ton Dieu. Honrar a tu Dios. Honorer ton Dieu. Ofrendarle a tu Dios. Ofrender a ton Darle Dieu. Los diezmos a tu Dios. Donner les dîmes à ton Dieu. Servir a tu Dios. Servir a ton Dieu. Honrar a tus pastores. Honorer tes pasteurs. Seguir los lineamientos de las autoridades. Continuer avec les éléments de les autorités. Porque el Señor Car le Seigneur ha establecido a établi un reino con un propósito. Un royaume avec un propos. Que quiero que vayamos a Mateo 21:43. Que j'aimerais qu'on aille dans Matthieu 21:43. Qui dit: C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Es por eso que Dios le dijo que el reino de los cielos será quitado y una nación será dada la cual va a producir frutos. Wow. Wow. El Señor quiere producir frutos. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est produire des fruits. El Señor quiere que tú seas productivo. Le Seigneur veut que tu sois productif. Vuelvo a lo que dije hace un momento. Je reviens à ce que j'ai dit il y a un instant. Así como Francia.
tout comme la France, o cada país, ou chaque pays, quiere que tú seas productivo, veut que tu sois productif, el Señor anhela en su corazón que tú seas productivo. Le Seigneur désire dans son cœur que tu sois productif. A diferencia que en el mundo terrenal, en el mundo de la tierra, en este mundo, a diferencia que dans le monde terrestre, dans ce monde de la terre, ce monde, tú tienes que luchar y competir. Tu dois lutter et combattre. Y el más fuerte es el que se lleva la presea, el premio. Et le plus fort c'est celui qui emporte le prix. Pero en el reino de Dios, mais dans le royaume de Dieu, el fruto que tú tienes que producir, le fruit que tu dois produire, son aquellos con el cual ya Dios tiene preparado para ti. Sont ceux pour lesquels que Dieu a déjà préparé pour toi. Para que tú andes en ellos. Pour que tu puisses aller en eux. Porque todo depende del Señor. Parce que tout dépend du Seigneur. Nada inicia de tu iniciativa, valga así la repetición. Rien commence par toi, tu ne prends pas l'initiative. Nada comienza porque tú un día dijiste, voy a hacer lo más excelente para Dios. Rien commence par hasard parce que toi un jour t'as voulu dire je vais être excellent pour sino Dieu. Sino que Dios puso el querer como el hacer. Non, mais c'est parce que Dieu a mis le vouloir comme le faire. Porque él quiere que tu voluntad esté sujeta a su voluntad. Parce qu'il veut que ta volonté soit soumise à sa volonté. Porque aquellos que no se sujetaron a la voluntad de Dios. Parce que ceux qui ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu. Al reino de Dios. Au royaume de Dieu. Fueron aquellos reyes. C'était les rois. ¿Se acuerdan cuando comenzamos este tema? Vous vous souvenez quand on a commencé ce thème? Orgullosos. Orgueilleux. Con hambre de poder. Avec une envie de pouvoir. Desobedientes. Désobéissants. Desorganizados. Désorganisés. Avaros. Avares. Sangrientos. Sanglants. Donde cometían cualquier cantidad de pecados y crímenes. Où ils pouvaient commettre n'importe quelle quantité de péché ou de crime. Pero el reino de Dios que él te ofrece. Mais le royaume de Dieu qu'il t'offre. Si tú le has leído la Biblia a Dios. Si tu as déjà lu la Bible à Dieu. Él te dice que en ese reino. Il te dit que dans ce règne. No hay enfermedades. Il n'y a pas de maladies. No hay ricos y pobres. Il n'y a pas de riches ou de pauvres. No hay león y ovejas. Il n'y a pas de lions et de moutons. No hay niños y serpientes. Il n'y a pas d'enfants ni de serpents. No hay esa enemistad. Il y a pas cette il y a pas. Quiere decir que lo que hay es un niño jugando con la serpiente. Ce qui veut dire c'est qu'il y a un enfant qui joue avec le serpent. Quiere decir que esa oveja está jugando con ese león sin ser devorado. Ce qui veut dire que ce brebis est en train de jouer avec le lion sans se faire dévorer. Quiere decir. Ce qui veut dire que la maldad no existirá. Que la méchanceté ne va pas exister. Ni la enfermedad. Ni la maladie. Ese es el reino que Dios nos tiene preparado arriba. Ça c'est le royaume que Dieu nous a préparé y en ese haut. Es el reino que Dios quiere que tú hagas descender aquí en la tierra para los demás. Et ça c'est le royaume que tu veux, qu'il veut que tu fasses descendre ici sur terre pour les autres. Pero mais hay cosas que estorban nuestras vidas. Il y a des choses qui empêchent dans notre vie. Dudas. Des doutes. Rencores. Rancœur. Falta de perdón. Manque de pardon. Críticas. Des critiques. Envidias. Des envies. Orgullo. L'orgueil. Mentiras. Des mensonges. Adulterios. Adultère. No, no, pastor, yo no me he acostado con ninguna mujer, yo soy fiel a mi esposa. Non, pasteur, j'ai jamais couché avec une femme, je suis fidèle à mon épouse. ¿Cuántas veces hemos sido infieles con Dios? Combien de fois avons-nous été infidèles avec Dieu? Y hemos sido adúlteros. Et nous avons été des adultères. Y hemos engañado a Dios. Et nous avons trompé Dieu. ¿Cuántas veces en nuestra habitación hemos hecho cosas que a Dios no le agradan? Combien de fois dans notre chambre nous avons fait des choses qu'à Dieu ça ne lui plaît pas. Y no me voy a cansar de repetirlo. Et je vais pas cesser de le répéter. Las redes sociales son el chismoso más grande de este siglo. Les réseaux sociaux, c'est l'endroit où il y a le plus de commérages. Ahí es donde usted ve todo. Là, c'est l'endroit où tu peux tout voir. Usted sabe todo. Tu sais tout. Usted escucha todo. Tu entends tout. Usted comienza a conocer a la persona en todo. Tu commences à connaître la personne en tout. Porque comienzas a ver sus gustos. Parce que tu commences à voir ses goûts. Sus reacciones. Ses réactions. Su ego. Son ego. Su personalidad. Sa personnalité. Y cuando tu personalidad no está sujeta a Dios. Et quand ta personnalité n'est pas soumise à celle de Dieu. Satanás la muestra al mundo. Satan la montre au monde. Para desacreditarte. Pour te rabaisser. Quiero que vayamos a Marcos 1:15. J'aimerais qu'on aille dans Marc 1:15. Porque cuando tú no entras en este parámetro de este versículo. Parce que quand tu n'entres pas dans ce paramètre de ce verset. Dice así la Biblia. La Bible dit comme ça.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. No me digas que vives en el reino de los cielos. Ne me dis pas que tu vis dans le royaume des cieux. No me digas que tú eres un seguidor de Cristo. Ne me dis pas que tu suis Christ. Cuando no te has arrepentido de los pecados más básicos que el Padre Nuestro te dice. Quand tu ne t'es jamais repenti des péchés les plus basiques que te dit le Notre Père. Cuando vives una vida doble. Quand tu vis une vie double. No me digas que tú vives en un reino cuando ni siquiera crees en la palabra del Señor. Ne me dis pas que tu vis dans le royaume si tu ne crois même pas dans la parole du Seigneur. Pero basta que la ciudadanía francesa te dice, tienes que aprenderte el himno francés. Mais il suffit que dans la citoyenneté française ils te disent, tu dois apprendre l'hymne français. Lo cantas con pelos y señales con todas las notas necesarias, hermano. Tu le chantes mais avec une envie, avec toutes les notes nécessaires, mon frère. Y le crees al gobierno. Et tu crois au gouvernement. Que cuando tú dices esa canción. Que quand tu chantes cette chanson. Y saliste airoso de ese examen, ya tú eres ciudadano de Francia. Et tu es sorti avec du succès dans cet examen, tu es déjà citoyen de France. Pero a Dios. Mais à Dieu. No le creemos. On le croit pas. Por eso aquí en ese pasaje Marcos. C'est pour ça qu'ici dans ce passage dice de Marc. Dice que cuando venga el reino, cuando todo se cumpla. Il dit quand le royaume va venir, quand tout va s'accomplir. Que cuando se acerque ese reino. Que quand ce royaume va s'approcher. Que te arrepientas. Repentis-toi. Y cree. Et crois. Cree. Crois. Porque muchos de nosotros los cristianos. Parce que beaucoup d'entre nous les chrétiens. Tenemos un problema serio. Nous avons un très grand problème. Que no creemos en Dios. C'est qu'on ne croit pas en Dieu. No le creemos a Dios. On ne croit pas à Dieu. Nosotros creemos en lo que hemos tratado de creer que tenemos que que necesitamos creer. On croit que nous devons croire dans ce que nous avons besoin de croire. Y no realmente en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y punto. Et pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Point. Eso se llama fe. Ça s'appelle la foi. La foi. La fe. Creer. Croire. Esperar. Attendre. Vivir. Vivre. Andar en el espíritu. Être dans l'esprit. Confiar en Dios. Avoir confiance en sujetarte Dieu. Sujetarte a su palabra. Se soumettre à sa parole. Porque fuera de él. Parce que en dehors de lui. Fuera de él. En dehors de lui. Nada puedes hacer. Tu ne peux rien faire. Quiere decir. Ce qui veut dire. Que el reino de Dios funciona. Que le royaume de Dieu fonctionne. Cuando tú estás sujeto a ese reino de Dios. Quand tu es soumis à ce royaume a de sus Dieu, leyes espirituales, à ses lois spirituelles, a sus mandamientos, à ses commandements, a sus condiciones, à ses conditions, al que cree, à celui qui croit, todo le es posible. Tout est possible. Condición. 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 Para que todo pueda ser posible. Parce que tout peut être possible. Y quiero ir terminando. Et je veux en conclure. Con dos versículos. Avec deux versets. Que lo tenía en un orden, pero lo voy a invertir. Que je l'avais dans un ordre précis, mais je vais l'inverser. Quería terminar con este versículo en Daniel 6:26, por favor, Javier. J'aimerais finir avec ce verset Daniel 6:26, s'il te plaît, Javier. Si lo pones. Si tu le mets. Qui dit: j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la faveur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Dice así: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Wow. Wow. Tú y yo. Toi et moi. Luchamos. On lutte. Vivimos. Nous vivons. Por obtener. Pour obtenir. Las mies. Les miettes. Las ganancias, les gains, los premios, les prix, de cosas que son perecederas, des choses qui vont
permanaître. Porque tú ese CDI no te lo vas a llevar a ningún lado. Les choses qui vont périr parce que toi ce CDI tu vas l'emmener dans n'importe quel endroit. Esa cuenta bancaria con tantos ceros aquí se queda. Ce compte bancaire avec beaucoup de zéros, il reste ici. Esos títulos. Ces titres, ces diplômes. Se van a deshacer. Ils vont se défaire. Y en el ataúd donde te van a sepultar. Et dans la tombe où on va t'enterrer. Porque muchos gastan mucho dinero en las sepulturas. Parce que beaucoup de personnes dépensent de l'argent dans les tombes et tout ça. Hay que darle una cristiana sepultura. Parce qu'il faut faire un bon truc. Se va a podrir. Tu vas te périmer. Se va a llenar de gusanos. Tu vas te remplir de vers de terre. Se deshace. Tu vas te défaire. Por eso el Señor dice. C'est pour ça que le Seigneur dit que nos hagamos tesoros en el reino de los cielos. Qu'on doit se faire des trésors dans le royaume des cieux. Donde nada perece. Où rien va périr. Y en este versículo en Daniel. Et dans ce verset de Daniel. Vemos esta gran declaración. On voit cette grande déclaration. Porque su reino jamás será destruido. Parce que son royaume ne sera jamais détruit. Y su dominio perdurará hasta el fin. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Yo no sé. Je ne sais pas. Pero yo quiero vivir en ese reino. Mais moi je vais vivre dans ce royaume. Yo no sé. Je ne sais pas. Pero yo quiero empezar a quitar mi pierna del reino de este mundo. Mais je veux commencer à enlever ma jambe du royaume de ce monde. Yo no sé tú. Je ne sais pas toi. Pero ya es hora de que tú comiences a tratar de ubicarte en el reino celestial. Mais il est temps que tu commences à te placer dans le royaume céleste. Y vivir agradando a Cristo. Et vivre en remerciant Christ. No al hombre. À Christ, pas l'homme. No a la mujer. Pas à la femme. No a la familia. Pas à la famille. No a la sociedad. Pas à la société. No a la comunidad. Pas à la communauté. No a la ciudad. Pas à la ville. No al país. Pas au pays. No al gobierno. Pas au gouvernement. No a este mundo. Pas à ce monde. Sino al Dios todopoderoso. Mais au Dieu tout-puissant. Que dejó su trono celeste. Qui a laissé son trône para céleste. Para morir en la cruz. Pour mourir sur la croix. Para llevarte a ti. Pour t'emmener toi. De las tinieblas. Des ténèbres. A ese reino maravilloso. À ce royaume merveilleux. Allí tienes que apuntarle. C'est là-bas où tu dois viser. Ese era el último versículo. Ça, c'était le dernier verset. Pero quise ponerlo antes. Mais j'aimerais le mettre avant. Porque cuando yo siempre digo. Parce que quand je dis tout le temps. Que a mí me gusta ser radical. Que moi j'aime bien être radical. Que a mí me gusta ser. Cuidado con lo que voy a decir, legalista. Que j'aime bien être, y atención avec ce que je vais dire, légaliste. Una persona legalista es la que se le maneja todas las cosas en lo legal. Une personne légaliste, c'est une personne qui gère toutes les choses de manière légale. No quiero ser ilegal. Je ne veux pas être illégal. Ni legalista. Ni illégaliste. Me gusta vivir en las palabras de Dios y en las leyes de Dios. J'aime bien vivre dans la parole de Dieu et dans les lois de Dieu. Y cuando yo digo que yo creo en ese Dios. Et quand je dis que je crois dans ce Dieu. Que es radical. Qui est radical. Ay pastor, pero él tiene amor para con el mundo. Ah mais pasteur, il a de l'amour envers le monde. Sí, pero la persona que no se arrepienta al infierno se va. Oui mais la personne bah, qui se repentit pas en enfer elle va aller. Por eso tú y yo necesitamos llevar palabras de vida eterna a las personas. C'est pour ça que toi et moi nous avons besoin d'emmener une parole de vie éternelle aux personnes. Yo no he venido aquí a complacerte a ti. Moi je ne suis pas venu ici pour te faire plaisir à toi. Yo he venido a obedecer a Dios. Je suis venu ici pour obéir a Dieu. A cumplir su propósito. Pour accomplir son propos. Por el cual tú y yo hemos sido llamados. Pour lequel toi et moi nous avons été appelés. Y ese Dios. Et ce Dieu. Es un Dios justo. C'est un Dieu juste. Pero es un juez implacable. Mais c'est un juge implacable. Es un Dios lleno de amor. C'est un Dieu rempli d'amour. Pero celoso. Mais c'est un Dieu jaloux. Que cuida de ti, de mí. Qui prend soin de toi et que de moi. Que nos guarda. Qui nous garde. Nos protege. Nous protège. Porque sabe que el mundo nos puede volver un solo bocado. Parce qu'il sait que le monde peut nous dévorer en une seule gorgée. Y me gustaría que vayamos a Marcos. Et j'aimerais qu'on aille dans Marc. Capítulo 9. Chapitre 9. Versículo 47. Verset 47. Y no sé si después de este versículo. Et je ne sais pas si après ce verset. Muchas personas el próximo domingo vendrán o no a la iglesia. Beaucoup de personnes dimanche prochain viendront à l'église ou pas. Ni siquiera yo. Même pas moi. Pero espero que el Señor haga la obra. Mais j'espère que le Seigneur fera l'œuvre. Y me permita venir. Et me permette de venir. Identificando mi necesidad. En identifiant mon besoin. Mi humanidad. Mon humanité. Mi mezquindad. Ma mesquinité.
mi pobreza, ma pauvreté, mi bajeza, le fait que je suis le plus bas, tan bajo, je suis tellement bas, que el Señor tuvo que arremangarse las mangas y no es porque estaba hablando lenguas, que le Señor a dû se remonter les manches, mais c'est pas qu'il parlait en langue. Porque tuvo que enterrar su brazo y sacarme de lo más profundo del lodo. Parce qu'il a dû mettre son bras et me sortir du plus profond de la boue. Pobre de mí, basura. Pauvre de moi, ordure. Merecedor de la muerte. Je méritais la mort. Como dice Pablo, abortivo. Comme le dit Paul. Como un abortismo. Comme un avortement. De lo más bajo. Du plus bas. Lo vil y menospreciado del mundo. Le vil et le plus méprisé du monde. Ese soy yo. Ça, c'est moi. Si tú eres superior a eso, discúlpame. Si tu es superior a ça, yo soy del reino de los cielos y eso es lo que dice Dios. Mais moi je fais partie du royaume des cieux et c'est ce que dit Dieu. Y en Marcos 9:47. Et dans Marc 9:47. Para que pelees con el Señor, no conmigo. Pour que tu te disputes avec le Seigneur et pas avec moi. Dice así. Il dit. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Wow. Y le voy a poner así como una etiqueta. Wow, et je vais mettre comme une petite étiquette. El reino de Dios. Le royaume de Dieu. Es un lugar de santidad extrema. C'est un endroit de sainteté extrême. ¿Saben? El Señor dice que si tu ojo. Vous savez, le Seigneur dit que si ton œil. Tu oído. Ton oreille. Tu mano. Ta main, tus pensamientos, tes pensées, tu corazón, ton cœur, están llenos de cosas sucias, sont remplis de choses sales, y se vuelven cosas que te ocasionan caer, et deviennent des choses qui te font tomber. La Biblia dice que es mejor que lo cortes, que lo quites, que lo arranques. La Bible dit qu'il vaut mieux que tu le coupes, tu l'enlèves, tu l'arraches, y que lo deseches, et que tu le jettes. Porque es mejor entrar sin nada de todo eso. Parce que vaut mieux entrer sans rien de tout ça. Al reino de los cielos. Au royaume des cieux. Que con todo eso que irás al infierno. Que avec tout ça et d'aller en enfer. Porque si tú vives en el reino de los cielos. Parce que si tu vis dans le royaume des cieux. Tú vas a producir frutos. Tu vas produire des fruits. De arrepentimiento, de repentance, de alabanza, de louange, de agradecimiento, de reconnaissance, de proclamar el evangelio, de proclamer l'évangile, no de vivir cómodamente el evangelio evangélico, pas de vivre confortablement l'évangile évangélique, que todos sepan el título, yo soy cristiano, que tout le monde puisse avoir le titre, je suis chrétien, sino que tengas un ojo fuera, mais que tu aies un œil en dehors, así como nuestro amigo Jacob. Comme notre ami Jacob. Él tuvo que pelear con el Señor. Il a dû se battre avec le Seigneur. Y el Señor tuvo que transformarle su caminar. Et le Seigneur a dû transformer sa manière de marcher. Porque él era muy orgulloso en su caminar. Parce qu'il était très orgulleux dans sa manière de marcher. Él era muy seguro. Il était très sûr de soi. Mucho dominio tenía él. Il avait beaucoup de domination. Y el Señor lo sujetó a un bastón. Et le Seigneur l'a soumis à une canne. Porque me imagino que como era cojo, parce que comme il boitait. Cojo. Il boitait. Cojo, me gusta el boite. Il boitait. J'ai beaucoup aimé. Como se ve tan bonito en las películas de Hollywood. Comme dans les films de Hollywood, on voit ça très beau. Él cargaba su bastón para apoyarse. Il avait sa canne pour pouvoir s'appuyer. Eso es lo que quiere el Señor. C'est ça ce que veut le Seigneur. Santidad extrema. Sainteté extrême. Para hacerte el resumen. Pour te faire un petit résumé. Tu reino no es de este mundo. Ton royaume n'est pas de ce monde. Pero tienes que orar para que este reino venga a la tierra. Mais tu dois prier pour que ce règne vienne sur terre. Porque Dios te ha dado un mandamiento que es buscar con desespero. Parce que Dieu t'a donné un commandement, c'est de chercher avec du désespoir. Porque cuando tú lo consigas puedas hacer su voluntad. Pour que quand tu le trouves, tu pourras faire sa volonté. Y producir frutos. Et produire des fruits. De arrepentimiento y creer en la palabra del Señor. De repentance et de croire dans la parole du Seigneur. Para que por medio de la fe. Pour que parmi la foi. Por medio del arrepentimiento. Parmi la repentance. Ahora sí lo vuelvo a poner en orden el versículo. Maintenant oui, je vais le mettre dans l'ordre le verset. Puedas vivir en una santidad extrema. Tu puisses vivre dans une sainteté extrême. Y así poder disfrutar de la eternidad. Et comme ça, tu pourras profiter de l'éternité. De ese reino eterno. De ce royaume éternel. ¿Se dieron cuenta, familia? Vous êtes rendu compte, famille? Por donde le demos la vuelta. Même si on fait le tour. Por donde tú quieras llegar a cualquier tema.
même si tu veux arriver à n'importe quel sujet. La vida cristiana es fácil. La vie chrétienne est facile. Yo sé que cada vez se ríe. Et je sais que vous rigolez à chaque fois. Yo sé, tengo a Patrick riéndose aquí enfrente. Je sais, il y a Patrick qui rigole ici en face de moi. Pero créele, hermano, al Señor. Mais croyez-moi, croyez mon frère au Seigneur. Las cosas del reino de Dios aquí en la tierra son fáciles. Les choses du royaume de Dieu ici sur terre sont faciles. Los discípulos lo vivieron. Les disciples l'ont vécu. No estoy diciendo, vuelvo otra vez a lo mismo, que no vamos a tener circunstancias. Je ne suis pas en train de dire, et on revient à la même chose, qu'on n'aura pas de circonstances. Pero vamos a vivir la enfermedad con toda dignidad, sabiendo que el Dios vivo está con nosotros y nos sacará de todo mal. Mais on va vivre la maladie avec toute dignité, en sachant que le Dieu vivant est avec nous et il va nous sortir de toutes les choses qui sont mal. Vamos a vivir con todos nuestros problemas, que estamos sin trabajo, sin dinero, desempleados, pero sabiendo que el Señor de los cielos no nos abandonará nunca y Él nos dará a comer como le da a las aves de los cielos. On va vivre en ayant du travail, même si on est au chômage, on n'a pas de travail ou on n'a rien à faire, on va vivre parce que le Seigneur de Dieu Tout-Puissant, il va nous donner un emploi et il va nous mettre sur le haut dans le ciel. Y nos va a dar que comer como los pájaros de los cielos. Et il va nous donner à manger comme les oiseaux dans les cieux. Ese es el Dios que yo creo. Ça c'est le Dieu auquel moi Ese je crois. Es el reino donde yo quiero vivir. Ça c'est le royaume dans lequel moi je veux vivre. Yo no sé en cuál de los dos reinos tú quieres vivir. Je ne sais pas dans lequel des deux royaumes tu veux vivre. Aquí en esta foto tú ves mucha gente importante. Ici dans cette photo tu vois beaucoup de personnes qui sont importantes. Me imagino que es una escena en algún congreso del mundo. J'imagine que c'est une scène dans un congrès dans le monde. Por la bandera norteamericana debe ser allá en Estados Unidos. Pour le drapeau de l'Amérique ça doit être là-bas aux États-Unis. Creo, no sé. Je crois, hein, je sais pas. Pero aquí hay mucho poder. Mais ici il y a beaucoup de pouvoir. Pero en el reino de los cielos. Mais dans le royaume des cieux. Está un poder que es mayor que todo eso. Il y a un pouvoir qui est plus grand que tout ça. Y ese poder Et ce pouvoir se manifestó en la cruz. S'est manifesté sur la croix. Se llama Jesucristo. Et il s'appelle Jésus-Christ. El amor manifiesto. Et l'amour manifesté. Para que tú y yo pour que toi et moi pudiésemos obtener la salvación. On puisse obtenir le salut. Familia, Dios me lo bendiga. Famille, que le Seigneur la vida bénisse. Cristiana es fácil. La vie chrétienne est facile. Si te ha gustado este tema. Si ce thème t'a plu. Si realmente te ha impactado. Si il t'a réellement impacté. Te invito que sigas nuestras redes sociales. Je t'invite à suivre nos réseaux sociaux. YouTube, Facebook, YouTube, Facebook, YouTube. Y compártela con tu familia. Et partage-le avec tes familles. Tus amigos. Tes amis. Todos tus contactos. Tous tes contacts. Porque hoy en día. Parce que aujourd'hui. Más que nunca. Plus que jamais. El mundo necesita escuchar cosas buenas. Le monde a besoin d'écouter de bonnes nouvelles. Familia, les amamos mucho. Famille, on vous aime beaucoup. Nos vemos el próximo domingo aquí en la sala. On se voit dimanche prochain ici dans con la salle. Con todas las normas de seguridad que avec el gobierno quiere. Toutes les normes de sécurité, bien sûr. Pero ya con la libertad de poder tener nuestro culto como Dios manda. Mais avec la liberté de pouvoir avoir notre culte comme Dieu l'ordonne. Chao, chao. Au revoir. Dios me lo bendiga. Que Dieu vous bénisse.